Je m'appelle Atis, je suis caucasienne d'origine, française d'adoption, alsacienne de cœur et musulmane de choix. Ça, normal? Non. Facile? Oui. Normal? Non. Parce qu'on fait juste référence à l'Afrique, on fait pas référence à la personne du tout. C'est comme moi, hein. Tu sais, moi on m'a toujours dit quand j'étais en primaire, on pensait que j'étais juif. Parce que j'ai le faciès. Alors si maintenant, si je recule, je mets mes pieds sur la table, alors le propriétaire, qu'est-ce qu'il va penser sur moi? Et là, je provoque la racisme. Et elles vont dire, mais lui, c'est un sauvage, et regardez, et il n'accepte pas les réglementations. Alors, il a raison de me regarder travers. Il y a des étrangers, ils profitent. Parce que moi, je n'ai pas la faute des étrangers, c'est la faute de l'État. Les responsables, ils ne savent pas. Alors, à l'étranger, ils quittent son pays pour toucher les RMI. Pourquoi? Tout de suite. Alors, les étrangers, ils pensent qu'il y a un robinet, on peut ouvrir, on remplit les poches et on part. Et ça, c'est une faute. La France est un pays super raciste. Les gens, ils sont tous dans leur bulle, hyper individualistes. Tout ce qui est autour, c'est de la pollution. Peu importe qu'on soit juif, musulman, français, les gens, rien à cirer, quoi. Rien à cirer. France n'est pas un pays raciste. Il n'y a pas de racisme en France. Il y a de l'obscurantisme. Et l'obscurantisme est la mère de tous les maux. Et donc, on n'aime pas l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Et puis, on n'aime pas l'autre pour la simple et bonne raison qu'on ne s'aime pas soi. Combattre le racisme, c'est un combat antinomique. C'est incompréhensible. Comment, dans un pays de droits de l'homme, dans un pays qui se vantait, il y a un siècle, deux siècles de cela, d'être la nation civilisée, de combattre le racisme, comment comprendre la logique d'obliger les gens qui se disent civilisés par rapport à d'autres nations à respecter les autres. Madame Taubira est notre ministre. En tant que peuple civilisé, nous avons le devoir d'être légitimistes. Qu'on soit de la même sensibilité politique qu'elle ou non, ça ne change rien. D'abord, c'est une femme, ensuite, c'est une ministre. Et donc, les colibés, les insultes qu'elle a subies sont totalement choquants, sont totalement inacceptables. Et s'attaquer à une ministre de la République, c'est s'attaquer directement, insulter directement la République et ses valeurs. J'attends la réaction la plus forte de tout le monde. C'est les citoyens. Tous les citoyens doivent se mobiliser pour que ce genre de choses ne passe pas. Parce que le gouvernement, à lui tout seul, ne peut pas faire. C'est les citoyens qui doivent dénoncer et refuser ce monde-là.